qui va se passer, c'est que je vais vous faire écouter des bandes originales, des musiques de dessins animés célèbres. Il faudra me dire de quel dessin animé il s'agit. Toute l'équipe? Tout le monde, oui. Wow. Tout le monde. D'accord. C'est bon? Ouais. Premier extrait. Benjamin, Tom Sawyer. Benjamin, Tom Sawyer. Tom Sawyer. OK. Non, mais c'est bien, il n'a même pas l'air de Tom Sawyer. Tom Sawyer, Tom Sawyer, sur le bord du Mississippi. Ça, c'était pas de mon temps. J'ai tant sur les deux. Mais alors, dites-moi si ce track qui arrive là est de votre temps ou pas. Candy. C'est notre temps. Ouais. C'est notre temps. Ouais, ça, c'est notre temps. Ouais. Alors, donc, je n'avais pas tort, l'INSEE église quand je parlais du bac obtenu en 1954. Bon, cette affaire. Voici une troisième proposition dans ce « Nous, à notre temps ». Kimbo. C'est quoi? Kimbo. Bravo, mais il faut actionner le buzzer avant de répondre. Ok. Voici notre proposition. Attention, c'est accessible à tous. Kirikou. Non mais Kirikou. Oui. Non. Le roi lion. Kirikou. Il fallait dire effectivement Kirikou. Je rappelle le score. 10 pour les alligators, 8 pour les Giants. Voici un autre track de ce « Nous, à notre temps ». C'est pas LL Cool J. Will Smith. Non. Il n'y a pas eu de dessin animé Will Smith, hein, pour rappeler. Ah, c'est un dessin animé. Oui, toujours dessin animé. On peut les jouer encore? Non. Lucky Luke. Je rappelle que le public dans votre dos fait partie du joker. Quand vous estimez que vous êtes bloqué... Non, attention. Il faut d'abord, avoir le go quand vous avez ils le go. Ils sont trop jeunes. Ils sont trop jeunes. Vous voulez le jeu? Non, attention, Akaleka. Non. Ça marche pas. Personne n'a la réponse. Non, on découvre la réponse. Si veux... Il fallait dire Tortue Ninja. Ah OK ouais. Mais surtout que j'ai été Tortue Ninja au collège. Bon, allez, attendez, attention. Révélation grave. Je me dis. Bon, nous, tu as été Tortue Ninja au collège. Vous avez vu aussi le truc au dos avec Michelangelo. Michelangelo. Alors, ce qui arrive si vous avez été ce gars-là, en ce temps-là, par contre, c'est inquiétant. Écoutons ça. Benjamin à l'école des champions. Bon, c'est pas la version très originale, donc ça serait un peu compliqué. Ça se passe dans la forêt, pour vous aider. Mowgli. Dans la forêt toujours. Tarzan. Simba, les lions. C'est pas un dessin animé. C'est vrai, ils ont tout mélangé là-bas, mais c'est pas grave. Quel est le nom de l'acteur? On peut marquer un point exact? Non, on peut poser la question et donner la réponse. Il n'y a pas de point. On dirait que c'est Wes Miller. Bon, voilà. On dirait. Bon. On dirait bien. On y va? C'est Wes Miller. Toujours nous à notre temps. Mowgli. Non, ça c'est au temps d'Alain Richard d'Envahi. Mais c'est déjà fini? Oui, c'est fini. Regardez. Ouais, le piou-piou-piou-piou, là. Mais... Franchement, moi, je sais pas. Non, l'INSEE, c'est pas, ça, c'est sûr. Le buzzer avant de répondre. Un film policier? Non. C'est un dessin animé. C'est un dessin animé policier? Oui. À l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne, c'était la RTI. Et tout le monde était scotché à regarder Mickey ce Larson. Truc.
Et après des années, on s'est dit, mais comment on a pu regarder un truc comme ça, quoi? Franchement. Vous n'avez pas la réponse? Le public non plus, c'est sûr. Ou pas? Vous voulez essayer? Non, le public l'a pas. Fallait dire Goldorak. Et encore. Et encore, ça c'est après mon temps. On n'a pas fini. Il y a une dernière proposition dans la série des dessins animés, avant d'attaquer les films. Ah, mais ça continue encore Ah oui, ça continue, d'accord. Le calvaire pour, okay. Pour Lindsay. On écoute ça. Parce que franchement... En cas de cas. En cas de cas. Ah non, pas en cas de cas, cas des deux ânes. C'est Tourman. Non. Cas des deux ânes. Public ou pas? Batman. Non. Ça me dit quelque chose, mais je non, sais non, pas. Non, en cas de cas, ça marche pas comme ça. Scooby-Doo? Il faut l'autorisation Scooby-Doo? D'abord. Scooby-Doo? Non. Scooby-Doo, c'est plus rythmé, là, je pense. Luc et Luc. Oui, bon point. Ouais yeah. On va monter le retour en studio. Voilà, Luc et Luc, donc voilà. Celui qui tirait plus vite que son homme. Mm-hmm. Il y a quatre propositions à présent. Ça parle de films, de séries, cultes. Mm-hmm. Bon, il y en a deux, me fait-on dire. On écoute ça. Comment il s'appelle le gars là? Oh merde! Django! Aïe! Non. T'as pas la main. Attends, t'as pas la main. Je sais pas. Toulouloulou! Je sais pas. C'est. Django! On ne souffle pas dans le public. Mais bon? On ne souffle pas dans le public. Django! Non, c'est ouais, Django! Vous voulez recourir au public ou pas? Au Joker? Oui, go! Comment hein? Texas Ranger. Non. Oh, je vois. C'est Django qui faisait ça. Non. C'est pas lui. Non. C'est un western. Chaka Zulu. Non. Tu es allé trop loin. C'est un western. C'est un western. C'est quoi déjà? Je connais le film, mais j'ai. C'est pas devant la bouche. C'est un grand film. Allez-y, les sept mercenaires. Les sept mercenaires. Non. Chuck Norris. Non. Western. C'est western. Mais j'ai ça. Non. C'est un trio. C'est un trio. Ah oui, salopard. Non. Le doigt va trouver. Le bon, la brute et le truand. Le bon, la brute. Lee Van Cleef. Ça, c'est Lee Van Cleef. Ouais. Lee Van Cleef. Mm-hmm. Bon point. Le bon, la brute, le truand. Wow. 12-9. Ah bon? On en a fait que 3 points. Voici la dernière proposition de nous à notre temps. Je parle des champions. Yona Gourgué. Ah oui. Pas exactement ça. Comment ça va? Comment ça va, de Yona Gourgué? Non, mais il n'y a pas la main. Mais si, si. Fallait dire comment ça va effectivement avec pour acteur principal et producteur Léonard Grogué. Ce qui permet donc aux jeunes de marquer un point. Ils sont désormais à 10 contre 12 pour les amis.